Bonsoir. Avant de déployer les autres titres de l'actualité, certains présidents des pays les plus influents sur le monde se sont fait kidnapper par l'État islamique. Il paraîtrait que leurs propres enfants se sont réunis secrètement pour tenter de résoudre la situation de crise actuelle. Ils ont, paraît-il, les pleins pouvoirs sur les décisions militaires de leurs pays respectifs. Afin de garantir leur sécurité, les services secrets français ne nous ont pas dévoilé le lieu de leur réunion. Il faut lâcher une bombe nucléaire sur le pays, comme ça c'est réglé. Mais n'importe quoi, tu vas tuer des innocents. Et alors, ma pauvre Betty? Je suis d'accord avec toi, Andrea. De l'efficacité, ça, c'est l'Allemagne. N'est-ce pas, Christina? Je suis désolée, Andrea, mais quand vous avez construit votre mur en 1961 qui s'est fait démolir en 1989, c'est pas trop un exemple d'efficacité? Et alors, t'as une meilleure idée, peut-être? Nous, on connaît l'efficacité. Hiroshima, Nagasaki, voilà du concret. C'est pas de l'efficacité, c'est du désastre. Vous êtes que des monstres, vous allez finir par détruire la planète avec vos idées. Faut pas exagérer non plus. De toute façon, c'est déjà un pays désertique, c'est pas si grave. C'est pas le pays qu'il faut raser, il faut juste éliminer les terroristes. Moi, avec une armée, pas besoin de bombes. J'ai juste à passer un coup de fil et puis comme ça, c'est réglé. Attends, on se calme. En fait, tu veux faire comme avec la Crimée? Non, j'ai pas dit ça. Bon, ok, pas de monde. Mais c'est parce que je n'aime pas les disputes. Mais sachez qu'on va la perdre, cette guerre. Tu n'aimes pas les disputes, alors tu baisses les bras. Pas étonnant qu'il y ait des terroristes qui viennent de chez toi. Non mais tu te rends compte? Tous les innocents qui vont mourir pour rien. Et les enfants? Tu crois qu'avec les attentats, ils ont regardé s'il y avait des enfants? Mais tu crois pas que ta solution, c'est pire que leurs attentats? C'est vrai que si on fait péter la bombe, ils vont encore nous prendre pour des méchants. Ou alors, j'ai une solution. Fabriquer et vendre des armes trafiquées qui leur pètent à la fille. Mais c'est qui les fabrique, leur Kalachnikov? C'est un mot russe. Ça doit être les Russes. Vous êtes en train de m'accuser de fournir des djihadistes? Arrête, assieds-toi. Tout le monde le sait. Ouais, mais quand même, c'est juste du business. Bon, alors, tu t'occupes de trafiquer les armes? Attends, je peux tout faire? Mais non, t'inquiète pas. Bon, allez, chacun sa part. Allô?